Chaque année, ce sont les mêmes craintes. Le ramadan va bientôt débuter et avec lui, c'est souvent la flambée des prix. Un phénomène qui contraint de nombreux musulmans à réduire leur budget. Nous sommes à Abuja, la capitale du Nigeria. Déjà, la hausse des prix des denrées alimentaires se fait sentir. Je suis allé au marché. Malheureusement, les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche. C'est très malheureux pour ce mois, un mois sacré. Les prix ne devraient pas dégénérer comme ça. C'est le mois de la bénédiction. Je pense que les prix de tout ce dont nous avons besoin devraient diminuer de sorte que nous puissions nous ravitailler comme il se doit. Le Nigeria est le foyer de la plus grande communauté musulmane en Afrique subsaharienne. Près de la moitié des Nigérians vont à partir du 9 juillet jeûner de l'aube au crépuscule. Le ramadan constitue le quatrième pilier de l'islam et vise à enseigner la patience et le sacrifice chez les adeptes. Vous n'avez pas besoin de faire un stock de nourriture chez vous pendant le mois de ramadan. Si vous n'achetez pas, ils n'auront personne à qui vendre à un prix élevé. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la nourriture inutilement. En fait, les leçons du ramadan n'ont plus de sens quand vous vous concentrez sur la consommation. Le ramadan n'est pas un moment où nous devrions apprendre à manger plus de nourriture. C'est en fait une période où on réduit sa consommation. Ce qui aurait dû se passer sur le marché, c'est que les vendeurs auraient dû se plaindre que les gens n'achètent pas de nourriture. Pourtant, durant le mois sacré, les dépenses augmentent, le plus souvent pour rompre le jeûne avec des plats copieux. L'inflation qui s'est hissée à 9,3% en mai risque d'accentuer un peu plus les difficultés économiques. Et si le pays connaît une croissance de 7%, la pauvreté et le taux de chômage ont eux augmenté. Face à cette situation, les investisseurs s'inquiètent de voir une recrudescence de la violence dans ce pays qui compte 150 millions d'habitants.